soit une spire conductrice, la voilà, d'air grand A, donc l'air de cette surface c'est grand A, et de vecteur normal N, dans un champ magnétique B, d'intensité grand B. Ici, je peux modifier l'intensité grand B du champ magnétique. Le flux magnétique phi à travers cette spire, c'est le nombre phi qui est égal à B fois A fois le cosinus de θ, où θ est l'angle formé par le vecteur normal à la spire et le vecteur champ magnétique. On peut tourner cette spire en modifiant la valeur de l'angle θ. Le flux magnétique φ s'exprime, d'après cette formule, en Tesla fois mètre carré, le cosinus de θ n'a pas d'unité, donc le flux magnétique s'exprime en Tesla fois mètre carré, ce qu'on appelle Weber. Cette unité du flux magnétique est désignée ainsi en honneur du scientifique allemand Wilhelm Weber. Le flux magnétique phi dépend donc de trois paramètres. D'abord, l'intensité du champ magnétique B. Plus cette intensité est grande, plus le flux magnétique est grand. Deuxième paramètre, c'est l'air grand A de la spire. Plus cet air grand A est grande, plus le flux est grand. Troisième paramètre, c'est l'orientation de la spire par rapport au champ magnétique B, orientation qui est exprimée par cet angle θ, angle formé par le vecteur normal à la spire et le vecteur champ magnétique. Nous voyons que plus cet angle est grand, moins de lignes de champ passent à travers cette spire. Donc, plus l'angle θ est grand, plus le flux magnétique est petit. Dans ce modèle-ci, nous voyons que plus l'angle θ devient petit, plus de lignes de champ peuvent traverser la spire. Observons encore cela. L'angle θ devient plus grand, le nombre de lignes de champ devient plus petit, et si l'angle θ vaut 90 degrés, alors il n'y a pas de lignes de champ qui traversent la spire. Donc, nous pouvons en déduire, si l'intensité B du champ magnétique et l'air de la spire sont donnés, alors le flux magnétique devient maximal si θ est égal à 0 degré et nul si θ est égal à 90 degrés. D'ailleurs, ça se voit bien dans la formule. Si θ est égal à 90 degrés, alors le cosinus de θ est nul, par conséquent, le flux est nul. Et si θ est égal à 0 degré, le cosinus de 0 degré c'est 1, et ça c'est la valeur maximale pour ce cosinus. Donc, le flux magnétique maximal a lieu si θ vaut 0 degré. Et dans ce cas, le flux se calcule simplement par B fois A. Regardons encore une fois dans l'animation. θ devient plus petit, alors le nombre de lignes de champ qui traversent la spire augmente, et ce nombre de lignes de champ est bien maximal lorsque θ vaut 0 degré. Maintenant, θ devient plus grand, le nombre de lignes de champ diminue, et si θ est égal à 90 degrés, le flux magnétique est nul.